Aujourd'hui, là, bonjour. Tu es prêt à manger aussi? Oui. Ah, ok. Aujourd'hui, c'est la sauce graine. J'aime ça. Ok, ça c'est super. Si ça avait la sauce graine, c'est que moi je vais pas manger. Ah, toi tu n'aimes pas la sauce graine. Moi je préfère ça avec la sauce au beige. Bravo. La sauce graine. Non, il y a tout au beige. Il y a tout au beige. Today, I want to show you how fufu is made. That is the most popular dish in Ivory Coast after acheke or garba. Because tomorrow is the wedding party for one of my niece, and this house will be filled to its maximum capacity. Tu es prêt à manger ou pas? Tu es prêt à manger? Ah, non, c'est qu'il y a des coromades. Il faut demander à Ouma, à Samba. Ça va? Hello, moi c'est Miss Sarah. Je suis là ce matin pour vous présenter le foutou de chez nous. Pour obtenir une très bonne foutou, il faut juste de la banane, de l'igname et de manioc. Pour obtenir le bon foutou, lorsque tu dépiches le manioc, tu dois dépiger la banane et tu coupes en deux. Et celui qui est dedans, au milieu, tu enlèves. Tu enlèves dedans. Chaque banane, tu dois enlever les trucs qui sont dedans, au milieu de la banane, quoi. Sinon, dans votre foutou, il y aura les petits trucs dedans, noirs, ce serait un peu vilain. Donc, c'est ça qui nous permet d'enlever. Sinon, tu n'es pas obligé d'enlever, mais pour que ton foutou soit joli et bien fait, donc là, tu peux enlever. Quand tu enlèves dedans, tu épluches l'igname aussi, tu ajoutes, et tu mets. Donc mes chers frères, c'est pour juste vous montrer comment il faut obtenir du bon foutou. Voilà ça. Et puis la sauce, c'est sauce graine, on peut manger n'importe quelle sauce. Sauf le manioc, l'igname au feu. Quand tu enlèves, tu ajoutes la banane là-dessus. Tu ajoutes la banane. This is I'm gonna test this one. I think this before they pound it. Okay. Mmm. Very tasty. Really beautiful. Nice. Really, really tasty. À mesure, tu enlèves et tu commences à casser. Première des choses, tu casses la banane d'abord. Plus avant de casser la banane, il faut bien attraper le pilon. Quand tu attrapes le pilon, tu fais petit, tu tapes petit d'abord. Et puis deuxième des choses, tu casses le manioc. Troisième, l'igname. Le pilon dans ta main gauche est mélangé avec ta main droite. C'est comme ça. Tu fais comme tu joues en même temps, tu mélanges. C'est comme du jeu là. Mais alors c'est mélange du foutou banane, du bon foutou banane que tu fais comme ça. En t'amusant en même temps. Commencement, c'était un peu blanc-rouge, c'était mélangé blanc-rouge et maintenant c'est devenu foutou banane. Je vais former les boules maintenant. Quoi? Il a formé les boules. Là, comme ça, j'étais déjà prêt comme ça. Je vais former les boules. Pour les que quand tu. Hein? Les pains. Voilà, je vais former les pains.
Comme ça, quand tu manges, ça sera plus facile à manger chez toi. Les boules là, c'est comme ça. Sinon, tu peux laisser Oumar, même faut dans pas les corriger. Il dit les boules, toi, tu dis le pain. C'est elle qui connaît. Le pain, là, tu vas les compliquer, là, tu vas, n'est-ce pas? Voilà. Il est là, tu m'appelles. Voilà, cool. C'est le boule. Il est la boule, quoi. Il est la boule, quoi. Non, le pain, c'est le baguette. Non, on appelle foutou pain. Ah bon? Il est le gars qui a formé les boulettes, m'a formé. Et ça, le volet de bébé a formé. Il est le gars qui a formé. Tu veux partir là-bas aujourd'hui, pas ici? Non. Tu as mieux comme eux? Voilà. On y met tout, la farine là, voyez. Tu vas boire comme un peigne. Je viens de faire former les pains. Dans mes restes, je vais fermer et puis. C'est déjà prêt comme ça on peut manger. Si tu es prêt, si tu peux manger sans sauce, mais comme cela là, tu peux manger comme ça. Hein. Comme cela même est très doux qu'avec la sauce. C'est bien doux, c'est délicieux même. Donc je vous présente la jolie photo. Merci, merci, hein? C'est super. C'est Miss Sarah. Bye bye. You've seen how the food is made. So this is from the house, my house in Ivory Coast. Those are my cousins and sisters. Mm-hmm. So there's no strangers in this house here. Mm-hmm. Because it was so difficult to find somebody in the restaurant outside to make it. Yes, yes. So we decided yes. to make it in the house. Yes, good. Because here people are so really uptight when it comes yes. when it comes to outside recording. I couldn't get anybody yes. in the restaurant to record anything because yes. they're all, I don't want to record anything. Yes, I don't want to record anything. But right now, I'm happy they were able to make it in the house. Yes, I think yes. this is a homemade. It's time to eat now. Voilà. Thank you very much, guys. Yes, okay. My name is Sarah. Eat up for some. My name is Diallo Maria. Voilà. Diallo. Okay. C'est Sarah. And the Bondugu, she's from Bondugu. Yes. That's why she knows how to make fufu or futu. C'est pourquoi elle sait comment faire le futu bien fufu parce qu'elle est de Bondugu. Yes. Okay, à côté, that's near, not far from Ghana though. Yes. But she's not from Ghana. She's from Ivory Coast, by the way. Yes. Yes. We all Ivorian here, baby. All right, peace and love. Okay, yes, the guys. Yes, yes, yes. Okay, bye. Bye, bye. Bye, over. Elle est pour la Guinée. She's from Ogene, way north, northern Ivory Coast. She's from Ogene. All right, guys. Over. Okay, try. I'm Hello, my name is Miss Sarah. Non, mais elle est. Il va se donner pour elle. Regarde, il y a qui avait dit. Sarah, a dit ce caca. A tes. Non, le long. Elle est ce caca qui a été ma caoutée. Bah, ok, si toi tu en passes. Et si Sarah peut faire ça la vie. Non, jamais de la vie. C'est pas pour moi. C'est manger. T'as des mecs plutôt banales. Ah, ça c'est super. Merci. Like and share this video and don't forget to subscribe because many more videos on the way. Thank you.